Concept d'apprentissage, comment on apprend, hein, le fait qu'on apprend d'abord en prenant modèle et par imitation, c'est le premier niveau d'apprentissage, et que donc on ne doit pas espérer faire à quelqu'un, et a fortiori à un enfant, quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. Donc la première chose, la première clé, c'est l'exemple, c'est d'être exemplaire. Donc, et par exemple pour les enseignants, il est complètement inutile de demander à des enfants de se calmer quand on est soi-même très énervé et de leur dire « Taisez-vous !» par exemple. Alors, ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est-à-dire, ça peut être des fouloirs, ça peut être... Mais sur le plan éducatif, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire, ça n'apporte pas d'apprentissage. Ça peut avoir un effet de sidération quand on crie sur un enfant. Ça a un effet de sidération sur son cerveau. Donc, il s'arrête. Donc, évidemment, il va se taire. Mais sur le plan de l'apprentissage, c'est-à-dire ce qu'on veut obtenir, c'est à long terme, à court terme, à moyen et à long terme, un apprentissage solide et durable et efficace, puisque ma méthode s'appelle éducation efficace. Le terme efficace, je l'ai choisi parce que ce qu'il n'est pas question pour moi de dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Je fais juste l'observation avec mes 20 ans de pratique de ce qui fonctionne et de ce qui est efficace. Quand on veut obtenir quelque chose, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre qui va être le plus efficace? C'est pour ça, par exemple, qu'on a dans ma méthode banni complètement toute la violence éducative, c'est-à-dire les punitions, les privations, les coups, évidemment, etc. Pas parce que c'est pas bien, même si moi je pense effectivement que c'est pas bien parce que c'est toxique sur le plan cognitif, mais surtout parce que ça marche pas. Parce que ça marche. Ça fait du dressage, ça marche en termes de conditionnement, mais ça ne produit pas de l'apprentissage. Ça ne produit pas de l'intelligence, ça ne produit pas de la conscience, etc. Ça produit du dressage, donc du conditionnement, et le conditionnement, il a des limites vraiment très, très marquées par un certain type de comportement, et on ne va pas au-delà. C'est pour ça que je dis aussi au début du livre que la méthode d'éducation efficace est une méthode d'excellence. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, on peut obtenir une éducation qu'on peut juger plus ou moins correcte avec les méthodes punition, récompense traditionnelles, les méthodes classiques qu'on appelle la méthode coercitive. On peut obtenir une certaine qualité d'éducation, de conditionnement, parce que pour moi, c'est pas vraiment de l'éducation, c'est du conditionnement, mais il y a des limites. Et on n'atteint pas ce qu'on appelle l'excellence, c'est-à-dire le meilleur du meilleur en tout. Pas seulement dans une catégorie d'apprentissage, c'est-à-dire pas seulement dans le fait d'apprendre les matières scolaires, ou dans le fait d'apprendre les bons comportements, ou dans le fait d'apprendre à avoir des bonnes relations, mais aussi dans la relation qu'on a avec soi-même. C'est super important, puisque c'est la base pour conditionner la relation qu'on a avec les autres. Et puis l'excellence en tout, c'est aussi la créativité, c'est aussi la liberté de penser, c'est aussi le développement personnel, le bien-être, etc. Donc, ça fait un peu prétentieux, mais l'éducation efficace, c'est selon moi, et c'est comme ça que j'ai conçu, une méthode qui permet d'obtenir l'excellence en tout. Je ne dis pas qu'elle l'obtient toujours et systématiquement, mais en tout cas, c'est la méthode qui le permet. Alors que les autres méthodes ne le permettent pas, et sûrement pas les méthodes qui sont employées classiquement, telles que punition-récompense, et puis tout le reste,
qui hiérarchisent la condition humaine en fonction de l'âge, en fonction des classes sociales, en fonction de etc. et qui sont des conditionnements à un système qui est un rapport de force et qui produit de la domination, qui produit de la hiérarchie et de la domination. Donc alors après le prochain bouquin qui est en cours va développer sur ça, parce qu'en fait la finalité de l'éducation efficace, c'est l'excellence, le bien-être, etc. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des gens, puisque je suis psychothérapeute. Être thérapeute, c'est avoir un intérêt pour le bien-être des gens. Mais surtout, c'est aussi très politique. C'est-à-dire, c'est aussi quelque chose qui raconte la société qu'on a envie de créer et de donner la possibilité à nos enfants de créer. Parce qu'on vit dans un monde qui est en ébullition de sa propre violence et qui est en train de crever de ça. C'est-à-dire, vraiment, alors, pas individuellement, heureusement, mais collectivement, politiquement, etc. Ce qui conditionne des milliers de jeunes gens à partir se tuer d'autres gens ou se faire tuer pour une idée ou pour une opinion ou pour avoir raison ou pour faire valoir des besoins, ses besoins, sans tenir compte des besoins des autres, c'est l'éducation. Et donc ce qui va conditionner au partage, à l'écoute, à la qualité de relationnel, à la tolérance, à l'acceptation de l'autre tel qu'il est, etc. et à un rapport d'égalité, puisque c'est ça dont il s'agit, ben c'est l'éducation. Tout est à la base, c'est l'éducation qui produit ça. Je pense que ce rapport d'égalité, je trouve que c'est difficile, surtout si on considère la société, là, le milieu, l'environnement où vit l'enfant, par exemple. En Occident, c'est pas par exemple le Maroc ou d'entreprise. Donc déjà, on est éduqué à cette relation du pouvoir des parents qui ont le premier mot, etc. Donc aujourd'hui, nous, on essaie de changer. Mais malheureusement, les jeunes qui ont changé cette éducation de non-violence, ben, les résultats, ils n'étaient pas vraiment satisfaisants. C'est toujours très progressif, c'est vrai. Et puis, alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'au Maroc, par exemple, ça soit plus difficile qu'en France, puisque moi, j'exerce au Maroc depuis 13 ans et que j'ai 20 ans de pratique. Donc, j'ai à peu près exercé autant en France qu'au Maroc, et puis je vais encore en France. Et je m'aperçois et je vois au Maroc à quel point j'ai une ouverture d'esprit des gens et une demande. Et une écoute et une humilité des parents par rapport aux enfants. Oui, des jeunes parents. C'est-à-dire, moi, les parents que je vois, ils sont forcément jeunes puisqu'ils ont des enfants. Donc, c'est pas forcément des grands-parents. Enfin, jeunes, en tout cas, on va dire, avec une moyenne de 30-40 ans. Une qualité relationnelle et une demande de qualité relationnelle qui n'existe pas forcément toujours en Occident. Où il y a beaucoup de conditionnements à la psychologie freudienne, etc., qui a fait beaucoup de dégâts sur les croyances qu'on a sur l'enfant, le statut de l'enfant, etc., où on dit, ou par exemple, il y a quelque chose d'épouvantable. En France, par exemple, on dit, un psy qui dit, et moi je fais partie des psys, qui dit, mais bien sûr qu'on peut être une copine avec sa fille ou avec son fils, bien sûr qu'on peut être ami, bien sûr. Que se respecter, c'est être dans un rapport d'égalité. Mais les psys de Psychologie Magazine, etc., tous ces gens-là qui ont pignon sur eux et qui ont été formatés à la méthode freudienne, s'arrachent les cheveux et disent « Comment ? Mais non, mais enfin, on n'est pas copains, on n'a pas le même niveau, on a besoin d'une autorité pour pouvoir sécuriser l'enfant, il a besoin absolument qu'on soit... » Et ensuite, et je vais dire « Bon, ben, pourquoi ? Démontrez-moi ça par l'exemple, montrez-moi qu'il faut absolument avoir une autorité, ce qui veut dire obliger, faire peur, forcer, ne pas chercher le consentement. Et pourquoi est-ce qu'on doit être craint? Et pourquoi est-ce qu'on doit regarder l'adulte comme ça et apprendre à dire pardon, merci aux adultes, et par contre les adultes ne disent pas pardon et pas merci? Donc c'est contraire à la première clé qui dit on apprend par imitation et par l'exemple. Donc en fait, on apprend aux enfants à respecter les adultes et à ne pas se respecter eux-mêmes et à ne pas respecter les enfants. Donc tout ce,
tous, c'est pour ça que je reviens sur le fait que c'est politique, parce que c'est un système qui reproduit ces choses-là. Et ça, c'est collectif, collectivement, tout le monde le vit. Mais individuellement, moi je vois des parents en consultation tous les jours depuis très très longtemps, des familles, des enfants, et aussi des adultes qui ont tous été des enfants et qui sont tous le fruit de leur éducation. Et tous, individuellement, je ne connais pas un seul adulte qui, quand on lâche le masque et qu'on est en tête à tête dans un espace sécurisé où on leur dit « vous pouvez tout dire et vous ne serez pas jugé » et qu'ils peuvent lâcher, je ne connais pas un seul adulte qui ne dit pas « j'ai souffert de ça, moi ». Je souffre de l'avoir vécu et en tant que parent, je souffre de le faire vivre à mes enfants. Et je veux faire autrement et je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas comment on fait puisque j'ai appris par imitation à faire comme ça et je ne sais pas comment on fait. Quand on dit qu'un enfant a besoin d'être encadré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encadré? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Mais juste, ben, je ne sais pas. Je vous pose la question. Un cadre, c'est quelque chose qui maintient. Un cadre, mais pas plus un enfant qu'un adulte, on a tous un cadre. On a tous le cadre de notre, notre contexte de vie, on a tous des limites par, par obligation, par choix, par etc. Le cadre, moi je pense que le meilleur cadre pour un enfant, c'est l'exemple. C'est celui qu'on lui donne par exemple, mais le cadre le plus sécurisant, c'est la clé numéro 9, c'est l'amour inconditionnel. Et quoi qu'il arrive, et quoi que tu fasses, et quoi qu'il se passe, et quelle que soit la situation, je ne conditionne pas mon amour à ce que tu fais, ni à ce que tu dis, ni à ce que tu penses, ni à ton apparence, ni au regard des autres, ni je t'aime, quoi qu'il arrive. Je crois que c'est le meilleur cadre. Et après, par exemple, le cadre institutionnel, il existe, puisque l'école existe et qu'il n'est pas question de supprimer l'école. C'est une très très belle invention, rassembler les enfants entre eux dans des espaces sécurisés où ils peuvent échanger et apprendre des choses. C'est une très très belle, un très beau projet. Après, il faut voir ce qu'on met dans, à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que le principal intérêt de l'école, pour moi, c'est de permettre aux enfants de se rencontrer entre eux, de prendre conscience de leurs conditions d'enfants, de se sociabiliser, de faire des expériences, etc. Et le revers de la médaille, par rapport à ça, de l'école, c'est le formatage. C'est ce formatage contre lequel qu'on a tous subi et dont on voudrait bien sortir et qui, alors, qui nous est imposé, pas véritablement en fait, je pense qu'on est formaté à se l'imposer. Les parents qui disent, mais j'ai été obligée de le punir hein, parce que, je dis non, vous n'avez pas été obligée, c'est un choix que vous avez fait. Parce que vous avez trouvé que c'était le meilleur choix, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative dans vos compétences, dans vos connaissances. Moi, je ne porte pas des jugements hein, sur les parents qui punissent du tout. Mais je fais prendre conscience aux gens qu'ils n'ont pas été obligés, qu'ils ont mis en priorité l'obéissance sur l'égalité. Et le concept d'éducation efficace, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi j'ai choisi le mot efficace, parce que alors, éducation bienveillante, c'est pas suffisant pour expliquer ce que je veux faire, parce que la bienveillance, c'est évidemment une condition sine qua non de l'éducation efficace, mais ça n'est pas toute l'éducation efficace, parce que le principe, bonjour, bonsoir, le principe de l'éducation efficace, le principe de base, c'est ne renoncer à rien. Donc c'est ne pas renoncer à l'excellence, au résultat, à obtenir ce qu'on veut obtenir. C'est-à-dire que contrairement aux idées reçues par rapport à la bienveillance, à l'éducation positive et à tout ce qu'on a comme idée de, on va dire, un peu New Age hein, dans l'éducation qui date des années 70, on parle de Rogers, etc., et de toute cette école, et de la suite,
c'est ce qu'on entend dire, c'est oui, mais c'est une éducation laxiste où les enfants sont en droit, où ils font ce qu'ils veulent, et puis finalement on voit des enfants qui manquent de respect à leurs parents, c'est l'anarchie, etc. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on parle d'éducation efficace, parce qu'il n'est pas question que la bienveillance, c'est pas un but, c'est un moyen. D'accord. La bienveillance, c'est pas le but, c'est pas d'avoir des enfants, même si ça serait déjà un très joli but en soi. La non-violence éducative, c'est pas un but, c'est le moyen d'obtenir une relation de qualité avec les enfants qui permettent d'enseigner quand on est enseignant et d'éduquer quand on est parent. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez parlé aussi du développement, les étapes de l'enfant, comment il se développe? Parce que moi, ce que j'ai lu, ce que je sais, c'est que les 5 premières années, ce sont les années les plus importantes de l'enfant, où il se développe, où il y a plus de créativité. Donc, dès qu'il rentre à l'école, commence la scolarité, on commence à supprimer sa liberté. Donc, est-ce que vous avez parlé alors, de ça? Il y a 2 questions dans votre question. La première chose, c'est les étapes du développement des enfants. Et comment se comporter avec eux. Oui, dans le livre, je parle des différentes étapes. Par exemple, dans le chapitre des besoins, les besoins en fonction de l'âge, etc., oui. Les différentes étapes. Sur l'idée que les 5 premières années de la vie sont les plus importantes, je suis assez mitigée sur le thème, parce que en réalité, évidemment, les 5 premières années de la vie sont celles où on apprend le plus de choses, puisque on ne sait rien à la base. Donc on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des tonnes de choses, et c'est vraiment mais les plus importantes, c'est-à-dire moi je rassure beaucoup les parents qui viennent me consulter avec l'idée que c'est foutu maintenant, il a 6 ans, donc c'est trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'est jamais trop tard pour changer l'éducation. Moi, il y a des parents qui viennent me voir avec l'éducation hyper classique et des dégâts déjà importants sur des pré-ados, par exemple, ou sur des ados. Et en quelques semaines, quelques mois, en changeant la méthode et la manière de faire, et en changeant la nature de la relation avec l'enfant, ils obtiennent des... Parce que les enfants sont très très malléables, et jusqu'à... Le cerveau, il est en construction jusqu'à l'âge de 25 ans en moyenne. Jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, on est vraiment... Et ensuite, il est encore en évolution. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui se font. Il y a beaucoup d'ancrage, par exemple, d'ancrage sensoriel qui se font. Par exemple, la mémoire inconsciente, des odeurs qui correspondent à l'allaitement, par exemple, ou au... D'accord ? Ça reste imprimé dans le cerveau, dans le fonctionnement inconscient, toute la vie. Hein, et parfois, on prend quelque chose, on se met à sentir une odeur, et puis pouf, d'un seul coup, on se retrouve 30 ans en arrière avec des sensations qui correspondent, des sentiments qui correspondent, etc. Et pas forcément le souvenir conscient. Parfois, on a du mal et on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Okay. Je sais ce que c'est. Et puis, on ne se souvient pas consciemment, mais on sait que c'est quelque chose qui est ancré en soi et qui fait soit du bien, soit du mal, quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc oui, c'est vrai, il y a des impacts. Mais on peut changer ça. Et par exemple, en thérapie ericksonienne, parce que moi je suis thérapeute de l'école ericksonienne, on change ce qu'il y a dans l'inconscient. On peut changer. On peut modifier la structure, y compris de choses qui ont été apprises avant 6 ans. Donc ça, c'est la première partie de la question. Oui. Et en ce qui concerne la créativité et l'école, oui, c'est vrai, le formatage coercitif tue la créativité des enfants. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un constat. Statistiquement, on a des études où on donne, on fait des tests de liberté, de choix, par exemple, sur du dessin à des enfants qui sont
avant l'entrée à l'école, avant l'âge de 3 ans, mmh. En leur donnant le choix de dessiner ce qu'ils veulent. Et puis, on va avoir sur un groupe donné, un groupe test de 100 enfants, on va avoir quasiment 100 dessins différents avec des couleurs, des machins, etc., des tâches, des trucs, on leur met tout à disposition. Et puis, un an après l'entrée en maternelle, on va avoir une structuration identique de... Du graphisme, on va avoir un choix de matériel qui est celui qui est utilisé à l'école. Et puis 2 ans après, c'est encore pire. Et puis arrivé à l'âge de 6 ans, donc les enfants qui tracent des traits à la règle, qui soulignent, etc. Et qui n'utilisent plus du tout leur. D'ailleurs, il y a de plus en plus de parents qui décident de ne plus mettre leurs enfants à l'école pour ce genre de raisons. Pour ce genre de raisons, oui, bien sûr. Il y a un retour à ce qu'on appelle l'instruction en famille par rapport à ce formatage-là. Alors, il y a plein de. Ça demande beaucoup de travail parental, ça demande une organisation sociale très importante. Le blog de Bernard Collot, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un enseignant qui est à la retraite maintenant, et qui a un blog extraordinaire que je suis beaucoup, et qui vient d'écrire un article et qui dit qu'il ne comprend pas comment est-ce que la dernière mesure qui vient de passer comme une lettre à la poste, en France, c'est l'instruction obligatoire à partir de 3 ans. C'est-à-dire que qui va obliger les parents à mettre les enfants à l'école maternelle à partir de 3 ans. Et tout le monde trouve ça formidable, magnifique. Il n'y a personne qui est allé à l'encontre de ça. Pourquoi ? C'est relativement simple, hein, c'est parce que les parents travaillent et que quand on leur... Parce que c'est un droit opposable, hein, l'école. Donc à partir du moment où l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans, les parents sont en droit de demander à l'école publique de prendre leurs enfants à partir de 3 ans. Pour l'instant, il y a des régions, il y a des endroits en France où il n'y a pas de place en maternelle, bah, vous vous débrouillez, hein, pour l'enfant et pour les parents qui travaillent. Donc c'est en partie pour ça que les parents, parce qu'eux-mêmes sont organisés autour de l'idée d'une école maternelle qui commence normalement à 2 ans et demi, on dit avec la propreté, que moi j'appelle la continence, parce que j'aime pas l'idée de propreté. Le fait que ça soit obligatoire, en revanche, pose un sacré problème de société, parce que ça veut dire qu'on ne va pas avoir le choix, sauf à faire l'instruction en famille. La question, c'est une bonne question, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux pour l'instant, envoyer les enfants à l'école très tôt, où ils vont être très tôt stimulés ou surstimulés dans des classes où on va les mettre sur table à faire des choses, ou les laisser en crèche, parce que ici on a beaucoup... Au Maroc, on a beaucoup cette dualité-là, soit les mettre à l'école, dans les écoles. Maintenant, il y a beaucoup de systèmes privés, hein, beaucoup, qui vont avoir un formatage, etc., un programme avec de l'enseignement, vraiment, ou alors les laisser en jardin d'enfants, hein, où on met à leur disposition des choses et ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils s'amusent, ils jouent entre eux, ils sont mélangés. Et pas par classe d'âge, parce que ça aussi c'est une chose qui est à discuter, parce qu'on a il y a un autre modèle d'école, par exemple, et qui a existé en France. Moi j'ai été dans une école comme ça, parce que je suis issue d'un milieu plutôt rural. J'ai été dans une classe où on avait il y avait deux classes. Il y avait une classe où il y avait les maternelles jusqu'au CP, et puis ensuite c'était les CE1 jusqu'au CM2, donc on avait deux groupes d'enfants très mélangés comme Montessori, mais sauf que c'était juste la campagne parce qu'on avait trois enfants par-ci, trois enfants par-là, et on faisait des groupes, mais c'était merveilleux, voilà. Et moi j'ai appris à lire à 3 ans. Puisqu'on faisait ce qu'on voulait, et que moi je passais mon temps à être avec les CP comme ça, à regarder ce qu'ils faisaient, et on ne me demandait pas. Bah oui. Donc voilà. Parce que le formatage,
souvent on dit oui, on formate les enfants parce que on leur donne trop de travail, etc. Mais en réalité, on les bride. Moi, je suis un jeune papa, j'ai un petit garçon de 2 ans qui était là. J'applique votre méthode et je suis juste surpris parce que c'est amusant, c'est que du plaisir et le résultat, il nous le rend à 200%. Alors, je suis curieuse justement de savoir, enfin, je sais parce qu'il y a quand même beaucoup de retours, mais j'aimerais bien que vous me disiez comment, de quelle manière est-ce que vous réussissez ? Parce qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui lisent et qui disent ah oui, mais bon, c'est pas facile de faire comme ça, etc. Alors que moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire ça. C'est plus facile de faire comme ça parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est plus gratifiant, c'est plus efficace, etc. Mais il y a beaucoup de parents qui ont des a priori sur l'idée que si on les empêche de punir et on les empêche d'agir par la force et d'avoir de l'autorité, ça va être la catastrophe et qu'ils ne vont pas y arriver. Mais c'est juste traiter l'enfant en tant que personne à part entière et pas en tant que sous. Et puis en tant qu'être libre, c'est d'en faire quelqu'un de libre et quelqu'un d'indépendant. Ouais. Et de lui faire confiance. Ouais. Exactement, c'est la confiance. Oui, alors ça, c'est la finalité. Après, il y a, comme vous parliez de cadre, il y a certaines routines qu'on installe et qui font que l'enfant sait qu'il y a un rythme dans sa vie. À respecter, mais le reste ça vient de lui principalement. Et puis ça se fait avec consentement. Exactement. Avec amusement, c'est-à-dire il n'y a pas de mots. Oui. J'ai pas encore lu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la méthode ? Parce qu'on l'a entendu, vous avez parlé d'une clé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la méthode ? Vous voulez prendre le livre pour regarder les clés et pour poser des questions sur les clés ? Alors, moi je prends la question quand les parents ne trouvent pas une réponse à une question. Alors, comment réagir ? Moi, le truc, c'est que, et c'est ce que vous allez repérer dans le livre, il y a beaucoup d'échanges questions-réponses. Les chapitres, chaque chapitre est découpé en deux parties. La première partie qui est un peu théorique, mais que j'essaye de faire en sorte que ça ne soit pas trop barbant. Et puis la deuxième partie où c'est des questions-réponses de gens. Alors c'est des questions qu'on m'apporte dans mon cabinet, c'est des questions sur ma page Facebook, c'est des questions récurrentes qu'on m'a posées, etc. Avec les réponses concrètes que j'y apporte, puisque le principe c'est que je travaille toujours sur quoi faire et comment faire. Donc je réponds jamais à des questions générales. Donc par exemple quand vous dites quand un parent ne trouve pas la réponse à, d'accord, moi je dis donnez-moi une situation concrète où un parent ne trouve pas la réponse à une situation qui vous vient à l'esprit. Cherchez une situation qui vous est arrivée et je vais prendre modèle sur ça pour vous donner une réponse. C'est ce que je fais dans le livre. C'est-à-dire, dans le livre, je dis, allez voir après au niveau des questions. Dans chaque chapitre, il y a la mise en œuvre. Par exemple, on va parler d'accueillir les émotions des enfants. Je vais prendre un modèle très très classique et très courant, des enfants dont on dit qu'ils font des caprices. On va dire à un âge où verbalement ils ne sont pas encore très très performants et où on ne peut pas trop les laisser s'exprimer verbalement parce qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent, etc. On parle de l'âge de 2-3 ans, hein, avant 4 ans, parce que 4 ans c'est l'âge d'or, ils se mettent à parler, à expliquer, et là ça devient beaucoup plus facile de comprendre et d'échanger. Mais avant, un enfant de 2 ans et demi par exemple, qui se balade dans la rue et qui veut un truc, qui voit dans le livre je dis un bidon d'huile de moteur, dans un rayon de supermarché, donc un truc vraiment très lourd, très encombrant, qui va lui servir à rien, et il veut ça. D'accord ? Voilà. Okay, d'accord. Donc, comment on fait pour obtenir par consentement le fait qu'ils comprennent, alors qu'ils comprennent, ça ne veut pas dire justement verbal, mais que ça se passe bien quand même et que ça ne se finisse pas en je t'attrape,
je te tire, je te mets une fessée au pire, ou je te contiens comme ça et par force je t'empêche de regarder, ou je te mets dans la bouche pour t'empêcher de crier parce qu'il y a des gens autour et qu'il ne faut pas qu'ils crient, etc. D'accord ? Parce que c'est ça en fait le problème, les limites de l'éducation coercitive, c'est que... Coercitive. Oui. C'est que quand l'autorité ne fonctionne pas, on passe à la violence. Hein. C'est ça les limites. Et c'est pour ça aussi qu'on l'éducation travaille libertaire, à l'éducation. La libertaire. Mais oui, c'est ça. Donc, comment on fait ? Donc, d'abord, on se pose avec l'enfant en empathie. On se dit, là, il est en train de vivre une expérience, quelque chose d'important pour lui. Et donc, la considération de « j'ai pas le temps, faut que je m'en aille, faut que ça soit vite, vite, etc. Oui. » elle ne peut pas être prioritaire. Donc, on se dit « je vais vivre ce moment-là avec lui, y compris le fait qu'il pleure parce que je lui dis non, parce que dire non à un enfant qui a besoin d'entendre non parce que, je ne sais pas, mais ça peut être... Oui. Il peut vouloir aussi bien un couteau ou quelque chose qui peut... ou bon, une bouteille de whisky. Si votre enfant, il vous réclame une bouteille de whisky, non. Voilà. Et il n'y a vraiment aucune... Il n'y a pas de négociation possible. Donc, on n'est pas dans la négociation, mais poser un non, comment est-ce qu'on peut dire non sans que ça soit violent? Comment est-ce qu'on peut accepter, faire accepter la frustration en acceptant le fait que dans toutes les frustrations, pour toutes les frustrations, il y a des émotions qui viennent derrière. Quand vous êtes frustré, vous avez des émotions. On a tous des émotions. Les enfants, ils expriment leurs émotions en pleurant, en criant, en trépignant. Un enfant qui ne peut pas avoir quelque chose, on voit, il se tend, il a les mains qui se tendent comme ça, il a la lèvre qui tremble comme ça, et il ne fait pas exprès, et il n'est pas en train de vous faire du mal à vous, et il n'est pas non plus en train de souffrir au sein, il est en train d'avoir une réaction à la frustration. Il a besoin de comprendre ce qui lui arrive, il a besoin, parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, il a besoin de savoir, de comprendre, qu'on lui décrive et qu'on prête attention à ça, et qu'on lui dise, oh là là, je vois bien que c'est difficile, aïe 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 aïe, je vois que, tu vois comme tu es tendu, et on se met comme ça avec lui, oh là là, c'est dur, t'as vu, ça fait ça, et on a envie de crier, etc., et je suis là pour ça, je suis là pour accepter ça, et si on est soi-même avec une énergie de, je suis là pour toi, je suis en empathie, je te garantis que tu ne vas pas avoir cette bouteille de whisky, c'est sûr et certain, et que ça va très bien se passer parce que je suis là pour recueillir ta colère, ta tristesse, ton chagrin, et je me mets à sa portée, je ne me mets pas debout en train de le tirer comme ça, mais je me mets avec lui, je le prends dans mes bras, je lui fais un câlin, etc. Et je ne me dis pas, mais qu'est-ce qu'il me fait encore? Qu'est-ce que c'est que ce caprice? Parce qu'en fait, ce qui va déterminer la bonne réaction, c'est pas l'enfant et c'est pas sa réaction, c'est comment on se sent soi, c'est comment on se positionne soi. Et c'est cette fameuse position d'égalité et d'empathie. C'est la clé 10, hein, l'empathie. C'est comment on se positionne pour se dire, mais moi aussi, si on me faisait vivre un truc comme ça et que je ne comprenais pas ce qui se passe et je vois un truc, c'est tellement beau, j'en veux tellement, je trouve ça tellement super et ça me fait penser à un truc et j'ai cru que c'était... Enfin, je parle du bidon d'huile de moteur parce que c'est un des exemples que je donne dans le livre. J'ai cru que c'était un camion de pompiers. Et je voulais voir ce que c'était. Et on m'a même pas donné la possibilité de le prendre, de le sortir, de dire, regarde, tu vois, ça roule pas. C'est pas un camion, regarde. C'est lourd, c'est difficile à porter. Tu peux pas. C'est pas possible. Tu peux pas. Alors je vais le ranger. Et quand je vais le ranger, peut-être que tu vas être triste. Peut-être que ça va te faire pleurer. Parce que tu avais vraiment envie. Tu es très déçu. Et quand tu es déçu, tu as vraiment besoin de moi. Et je suis là pour te faire un câlin. Hein, voilà, donc c'est comme ça, c'est des positions de soi et c'est comme ça qu'on obtient le meilleur en termes d'éducation. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas que ça marche, parce que, alors je vous garantis que ça marche, c'est que ça prend plus de temps, ça demande plus de travail sur soi et c'est plus compliqué que de mettre une fessée, c'est évident, hein, une fessée ça va tout seul, c'est très efficace à court terme.
le cerveau est sidéré, hein, on met une fessée, la violence ou on crie, le cerveau de l'enfant est sidéré, il se met en position, nous on a des réflexes archaïques de mammifères, hein, où on se met en position de sidération, c'est-à-dire que les enfants sur lesquels on crie ou qu'on frappe sont bloqués physiquement, hein, nerveusement physiquement, et quand ils sont bloqués physiquement, ça veut dire que le cerveau est bloqué aussi les apprentissages. Donc il n'apprend rien. Il apprend juste à avoir peur, il apprend à avoir peur de la main qui peut caresser ou frapper, on ne sait pas quand, parce qu'il ne comprend pas pourquoi. Hein. Vous savez pourquoi, mais lui, il ne comprend pas, puisque vous ne lui avez pas expliqué. Et vous pouvez lui expliquer de toutes les manières, puisqu'il est sidéré par la violence, il ne comprendra pas, de toute façon. D'accord ? Donc, en termes d'apprentissage, puisqu'on est dans l'éducation, hein, on n'est pas dans l'efficacité absolue, c'est éducation efficace. Faire ça, ce que je viens de décrire, et faire passer l'enfant au travers de ses émotions, lui faire vivre ses émotions, c'est lui apprendre quelque chose, et c'est pouvoir la fois suivante obtenir quelque chose de lui. Et avancer comme ça, parce que les apprentissages, ils se font, donc j'ai dit, par l'exemple, et le deuxième vecteur, c'est par l'expérience. Le troisième vecteur, c'est la répétition. Donc, prendre modèle, essayer, se tromper, faire des erreurs, avancer doucement, et une fois qu'on sait faire, s'exercer. Très souvent, l'exercice est trop oublié, je le dis dans le livre, et je le dis ici pour eux. Même si vous ne lisez pas le livre, s'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que ce n'est pas parce qu'un enfant sait faire quelque chose qu'il peut le faire par automatisme. Par exemple, j'ai des parents qui me disent « Oh, j'en ai marre de toujours devoir lui dire de mettre ses chaussons, de toujours devoir lui dire d'aller se brosser les dents. » Pourtant, il le sait que tous les jours, à 6 heures, il faut lui brosser les dents. Je leur dis oui, d'accord. Et alors, comment il a fait pour apprendre à se débrouiller tout seul, pour savoir ça, puisque vous ne faites que lui répéter tout le temps? Tous les jours, vous lui dites, va te brosser les dents. Donc, ce qu'il a appris, c'est à se brosser les dents et à attendre que vous lui disiez, va te brosser les dents. D'accord? Il en est là, de son apprentissage. Si vous voulez qu'il apprenne à se brosser les dents tout seul, il va falloir l'aider à passer l'étape où vous arrêtez de le lui dire et où vous ne lui faites pas le reproche d'avoir oublié et où vous lui donnez des trucs pour qu'il soit autonome. Par exemple, vous repérez quelque chose d'autre qu'il sait faire, quelque chose d'autre qui se fait de manière automatique et vous lui dites, tu vois, quand puisque tu te mets en pyjama, au moment, toujours, tu te mets en pyjama pour aller lire ton livre, parce que ça, c'est un truc agréable. Et bien, tu regardes le pyjama, par exemple, hein, je vais vous laisser. Tu regardes, quand tu mets ton pyjama, quand tu prends ton pyjama, le premier bouton du pyjama, je parle, ou la fermeture éclair, ou je ne sais pas moi, l'étiquette du pyjama, au moment où tu prends le pyjama, ça te fait penser à la brosse à dents. Tu vas associer cette étiquette à la brosse à dents. Pourquoi ? Parce que l'enfant, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas qu'il ne va pas se brosser les dents. Et c'est ça qu'il faut changer en vous. C'est que de nous, les adultes, on est formatés à croire que c'est parce qu'ils s'en foutent. Ils ne veulent pas. Moi, je ne connais pas un enfant dont le but le plus intime, ce n'est pas de faire plaisir à ses parents et de réussir à faire ce qu'on lui demande à faire. Et chaque fois qu'on accuse un enfant de... je m'en foutisme, il s'en fiche, il est paresseux, pardon, je crache, il est paresseux, c'est parce que il est négligent, etc. Ou c'est parce que ça lui tombe tout cuit dans le bec, etc. D'accord ? Eh bien, on porte un jugement sur lui qui devient une étiquette. Qui devient une étiquette. N'importe. Il est paresseux, alors que paresseux, C'est pas dans être, c'est pas dans l'identité. Paresseux, c'est pas qui il est, c'est comment il fait. Alors, et comment il fait, ça veut dire comment il a appris à faire. Et pareil pour distrait, lent, enfin je veux dire, toutes les étiquettes, paf, qu'on met, y compris le fameux marronnier hyperactif. C'est la grande mode, là, moi ça fait 25 ans que j'exerce, mais ça fait 10 ans qu'il y a des hyperactifs, avant il n'y en avait pas. Avant on avait des enfants, maintenant il y a des... Maintenant, c'est des hyperactifs. Pardon. J'exagère un peu, hein. C'est caricatural. Ça existe, l'hyperactivité, mais
C'est pas du tout le terme galvaudé qu'on emploie. Moi, des enfants hyperactifs, soi-disant hyperactifs, avec un pré-diagnostic Dr Google ou la voisine, etc., j'en vois à peu près, on m'en amène un ou deux par semaine, et en vrai, des vrais hyperactifs, j'en vois deux par an. D'accord ? Pour vous donner des vrais à qui on va dire, ouais, il y a un vrai problème, vraiment il ne peut pas, et je suis en train de lui parler, et il est là-bas sur le bureau, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je lui dis, t'étais là, tu t'en es rendu compte ? Non. D'accord ? Donc ça, c'est un enfant hyperactif qui bouge la nuit, qui... Donc il y a des données, d'accord ? Mais sinon, la plupart des enfants dont on dit qu'ils sont hyperactifs, c'est juste des enfants qui sont très souvent complètement pas adaptés au formatage scolaire et dont on néglige les besoins kinesthésiques, c'est-à-dire les besoins du corps. Et qui en plus ont un cerveau qui fonctionne. C'est pas une particularité, c'est pas une neuroatypie puisque c'est 25% des enfants. C'est un quart de la population, on ne veut pas dire que ça soit une neuroatypie, d'enfants qui ont besoin de bouger pour apprendre. C'est les enfants qu'on voit se balancer comme ça sur la chaise et à qui les profs disent « arrête », etc. C'est les enfants qui font ça, qui apprennent leurs leçons en tournant autour de la table, etc. Si on passe son temps à essayer de les empêcher de bouger, on passe son temps à lutter contre leur nature et à les empêcher d'apprendre. Et ça fait des échecs scolaires et ça fait des catastrophes. Maintenant, ça commence à venir... l'idée commence à venir que c'est quand même plus facile de les laisser se balancer et de mettre des balles de tennis derrière les dossiers pour éviter que ça cogne les murs et que ça abîme les murs, ou de leur installer des pédaliers. Maintenant, il y a dans les catalogues des écoles, il y a des pédaliers fixes qu'on fixe au sol avec qui sont assez lourds et qui permettent à certains enfants de pédaler pendant qu'ils sont en train de faire leurs exercices. Ça ne marche pas pour tous, mais il y a certains pour qui ça. Dans une perspective lacanienne, ne peut-on pas dire que la maman a une part de responsabilité parce qu'elle entretient un certain échange, même avec son fœtus. Oui. Elle partage ses fantasmes, ses émotions, ses peurs, ses craintes. Oui. Donc elle est responsable en quelque sorte. Alors, les mamans et les papas aussi. Surtout la maman. Oui. Puisqu'elle entretient une relation osmotique avec son fils. Oui. Et elle est responsable de quoi, vous voulez dire? Elle est responsable de son devenir, de son psychisme. Oui, bien sûr. Alors, c'est névrose. Il y a même des mamans qui... Oui. Alors, vous savez, moi, la perspective lacanienne, c'est loin, loin, loin. Loin de moi. Je sais. Moi, je dis toujours, si Dolto avait rencontré Erickson au lieu d'avoir rencontré Lacan, on n'en serait pas là. Oui. Moi, je trouve ça très violent, en fait. Cette a priori lacanien sur le rôle inconscient du fantasme, du bébé fantasmé, etc., de la mère sur son enfant, je trouve ça très très violent. Et je trouve ça misogyne en plus. Donc ça fait beaucoup. Hein. C'est vrai aussi, et à l'inverse, je ne trouve pas ça misogyne, mais je trouve ça très, très féministe, de donner à la relation mère-enfant une place. Prépondérante dans ce petit quelque chose qu'on ne peut pas toujours expliquer et qu'on appelle l'instinct maternel, même si l'instinct pour moi ça n'existe pas, c'est une construction, mais on va dire l'intuition, la relation, quelque chose qui se passe très de très fort et de très puissant et qui se passe aussi, alors moi je suis plutôt pour la théorie de la figure d'attachement, c'est-à-dire que sur des enfants, par exemple, qui sont malheureusement privés de leur mère biologique à la naissance, qu'on confie l'enfant à un homme ou à une femme, si la personne à qui on confie l'enfant est un homme et qu'il produit du maternage, dont a besoin l'enfant, hein, c'est-à-dire des choses de l'ordre du soin maternel, il devient la figure d'attachement de la même manière que pourrait l'être... maman. Hein. La théorie de l'attachement, alors c'est pas du tout, c'est de la psychopédagogie, c'est pas du tout de la psychanalyse, mais c'est quelque chose de très très important, c'est fondamental dans la manière dont on explique et dont on déculpabilise les mamans. Je vais vous donner un exemple très précis que toutes les mamans ont connu. Les enfants qui vont
à l'école ou à la crèche et qui sont ou chez les nourrices ou chez ou dans la famille et qui sont soi-disant impeccables, ça va très très bien. Bon non, il va très bien. Et quand la maman arrive, il se met à sauter partout, à hurler, à faire ce qu'on appelle des caprices et qui n'existent pas. Et on dit à la maman, ah ben oui, mais ça c'est parce que vous savez pas le tenir. C'est pour ça, parce qu'avec moi, il est parfait. Hein. Tout va bien. Il est parfait avec moi. C'est seulement avec vous qu'il fait ça. Hein. Regardez-moi, avec moi, il mange, ouvre la bouche, mange, etc. Et la maman, elle dit, oh ben oui, c'est parce que moi, je sais pas le tenir. Comment ça se fait? Je suis pas assez ceci, je suis trop cela. Stop. Les enfants se lâchent émotionnellement et lâchent toutes leurs tensions physiques accumulées quand la figure d'attachement arrive. C'est-à-dire que ça veut juste dire que votre enfant, il vient de passer une journée, pardon, dégueulasse, d'accord, oui. Et que quand vous arrivez, c'est la liberté. Partout, c'est la liberté. Partout, il vous tire les cheveux, etc. Et vous ramassez ce qui vient de se passer pendant toute la journée. Alors, à ce moment-là, quelle manifestation? Ce sont des décharges émotionnelles, plupart du temps. Ce sont des décharges émotionnelles, et puis aussi le fait qu'il s'autorise à faire valoir ses besoins. Alors que ses besoins peuvent être réprimés. Oui. D'accord. Bon, j'ai dit dégueulasse, ça ne veut pas forcément dire que ça soit la vie en collectivité, c'est pas forcément aussi facile que d'être dans un rapport comme ça de maternage avec son enfant, etc. Donc c'est pas pour juger, pardon, hein, parce que je ne veux pas que des gens se sentent jugés. C'est pas ça, ça veut juste dire qu'il n'a pas de raison de dire aux mamans, c'est parce que vous ne savez pas l'élever, vous ne savez pas lui faire ouvrir la bouche, etc. Mais au contraire, de leur dire, ah mais ça c'est vraiment parce que vous êtes une figure d'attachement parfaite. Puisqu'il ose faire ça avec vous, c'est qu'avec vous, il peut faire ça. Sur l'espace-place de sas, comme ça, de décompression à l'enfant, entre le moment où il sort de l'école et le moment où on va le faire rentrer dans la voiture pour mettre la ceinture et repartir pour une heure dans les embouteillages. Bonjour, ce qui va se passer dans la voiture. Hein. D'accord. Et donc, moi, je dis, mais prenez 10 minutes, c'est du bénéf. Hein. Prenez 10 minutes pour le prendre dans les bras, lui faire un câlin, le faire courir dans la cour quand il sort de l'école. Il ne peut pas, on ne peut pas se tenir. D'accord. Même en classe. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour répondre? Il parle aussi d'amis imaginaires. Oh, c'est super ça. Il parle d'amis imaginaires. Comment il s'appelle, son ami imaginaire? Vous savez, vous connaissez pas son ami? Non, c'est pas que je connais pas. Il travaille beaucoup sur la bande dessinée. Il a des personnages. Il est tout seul. Il est tout seul. C'est l'aîné? Voilà, donc il est tout seul. C'est-à-dire, enfin, il n'est pas tout seul, mais je vais dire. Récemment. C'est l'aîné, il a été tout seul pendant longtemps. Donc... Il a créé. Oui, mais c'est pas pareil. Regardez, votre deuxième, quel âge il a le premier? 11 ans. Et le deuxième? Ah, c'est une fille, ça. Regardez la différence entre les deux. Vous voyez la grande différence, c'est que elle a un modèle. Elle a un modèle, et puis vous avez essuyé les plâtres sur le premier. Alors, il y a un grand avantage à être l'aîné. Moi, je suis l'aîné de ma fratrie. Donc, il y a un grand avantage aussi à être l'aîné, c'est que comme on est l'aîné, on bénéficie d'un statut privilégié, puisqu'on a toute l'attention familiale, etc. Donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais parmi les inconvénients, il y a le fait vraiment de se sentir tout seul, même quand on a frères et sœurs à côté. L'aîné, vous demandez, les aînés en général se sentent tout seuls et la plupart du temps, ils ont très besoin d'être avec des copains. Ils sont très demandeurs d'être avec des copains. Ben non, forcément, puisqu'il a un ami imaginaire. Okay. Donc il remplace. Et oui, il remplace. Lui, il n'a pas besoin puisqu'il a un ami imaginaire. C'est un ami imaginaire, mais c'est le personnage de sa BD. Ok, pas de problème. Non mais attendez, un ami imaginaire, c'est pas un problème de santé mentale, d'accord?
Ok, on se met d'accord là-dessus. D'accord. C'est pas une hallucination. Il sait très bien qu'il est imaginaire, son ami, d'accord. Il s'amuse à jouer avec cet ami imaginaire. Il l'a choisi, il le construit, il le dirige, il fait avec lui des choses que lui décide, d'accord. C'est un super ami, c'est un méga ami, parce qu'un ami vrai, on ne lui fait pas faire tout ça. Alors qu'avec un ami imaginaire, on lui fait faire tout ce qu'on veut. C'est le héros de son roman. C'est une manière, une manière de... Et souvent, c'est des enfants très, très créatifs hein, qui sont est-ce très... Est-ce que ce n'est pas important parce que pour le fait qu'il ait un ami imaginaire, parfois je me dis peut-être qu'il fuit le monde réel pour vivre dans un monde imaginaire parce qu'il n'arrête pas d'imaginer des choses. Donc, il est en train de parler avec son ami. Parfois, il fait des reproches. Parfois, il dit pourquoi dans ce monde réel, il y a des inégalités, il y a des injustices. Donc, vraiment, il fait ça devant vous ou il fait ça quand il est tout seul? Ben, surtout quand il est tout seul. D'accord. Et devant vous, il parle avec lui, avec lui? Non. Non. D'accord. Non. Donc c'est sa vie intime, ça ne vous regarde pas. Mais comment? Vous écoutez aux portes? Vous écoutez aux portes? Vous voulez qu'on fasse ça? Vous voulez qu'il écoute aux portes de la porte de votre chambre pour savoir ce qui se passe? Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non mais rassurez-vous, c'est vraiment un truc. Ça passe et ça va passer à l'adolescence. Parfois ça passe pas, mais ça se transforme, c'est-à-dire que ça se socialise autrement, etc. Et de toute façon, c'est pas un problème de santé. Moi, je pense que ce genre de choses, c'est encouragé, c'est exceptionnel. Un enfant qui a cette capacité de se créer un monde, etc., c'est des choses qu'on retrouve chez des grands artistes aujourd'hui. Donc c'est des choses que moi, j'encouragerais chez mon enfant, au lieu de le bloquer. Et je crois qu'il faut lui demander son avis sur ce qui le fait souffrir et ce qui ne le fait pas souffrir. Son ami imaginaire ne le fait probablement pas souffrir, au contraire, il doit beaucoup lui faire du bien et le soulager. Alors que par contre, l'empêcher de bouger quand il a besoin de bouger pour apprendre, ça doit le faire souffrir. Donc aller dans la bienveillance, on va vers le bien-être. Essayer au maximum. Je pense que lui doit faire beaucoup d'efforts pour essayer de répondre à la désirabilité sociale, scolaire, etc. Parce que les enfants font toujours ça. Essayer dans la mesure du possible de répondre à vous, à ses besoins, sans porter de jugement de principe. Par exemple, ça se fait pas. D'accord. Si ça gêne quelqu'un, ok, d'accord. Mais si ça gêne personne, alors on s'en fiche que ça se fasse pas. Si ça se fait, hein. Si il faut, s'il faut pédaler, etc. Si ça dérange quelqu'un, si par exemple on a des invités et qu'effectivement il faut se tenir, alors on lui demande, et en général ils savent, on leur demande, hein, on n'exige pas, on leur fait une demande. Est-ce que tu pourrais essayer? Puis moi en échange je fais en sorte que ça soit pas trop long. Hein, et puis on se met d'accord sur ça, t'es d'accord, tu passes une petite 20 minutes avec nous, tranquille, et puis ensuite, ou puis après tu vas manger ailleurs si tu le veux. On est dans la négociation, d'accord, quand c'est vraiment important pour soi. C'est la clé des besoins, c'est la clé numéro 4. J'explique, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans la vidéo de présentation, c'est que la bienveillance, ça ne peut pas se faire dans le sacrifice. Ni des besoins des enfants, ni des besoins des parents. Parce que quand on sacrifie ses propres besoins, on le fait forcément payer à l'enfant. Donc, on ne peut pas être dans la bienveillance. C'est très important, parce que c'est une grande, grande différence entre l'éducation efficace et ce qu'on appelle les méthodes classiques, où souvent on vous dit ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne vous dit pas ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire. Hein. C'est que, je dis... comme on apprend par l'exemple, on apprend à l'enfant à tenir compte de ses propres besoins en tenant compte soi-même de ses propres besoins. On lui apprend à tenir compte des besoins des autres en tenant compte de ses besoins à lui. Et c'est jamais incompatible quand il s'agit de besoins. Le chapitre 4 permet de faire la différence entre un besoin et une demande. C'est-à-dire, quand un enfant... je ne sais pas moi, se roule par terre pour avoir un bonbon, le besoin c'est pas le bonbon. Il n'a pas besoin d'un bonbon, un enfant n'a jamais besoin d'un bonbon, mais à ce moment là il y a un besoin derrière qu'il faut repérer. Il est fatigué, il a faim, ça fait une heure qu'il marche, on ne l'a pas écouté, il a besoin d'un câlin, enfin, d'accord, mais la demande c'est le bonbon, d'accord. Donc il faut pouvoir faire répondre aux besoins, c'est pour moi, c'est pas une obligation, mais c'est la responsabilité du parent de répondre aux besoins. Ça ne veut pas dire accéder à toutes les demandes.
besoin. Et ce qui est gênant des fois chez certains adolescents, c'est qu'ils ne s'expriment plus. Ils ne peuvent plus dire quels sont les besoins. Vous allez les connaître. Alors, c'est pas seulement chez les adolescents. Quand ils sont petits, ils ne savent pas non plus exprimer leurs besoins. Quand on est en rupture de communication verbale avec un adolescent, c'est qu'il y a déjà un problème relationnel. Les adolescents qui ne s'expriment plus, ne s'expriment plus parce qu'ils ont déjà fait l'expérience, et la plupart du temps ils le disent, ça sert à rien. Ça sert à rien de dire, ça sert à rien de s'exprimer, ça sert à rien de dire de quoi j'ai besoin parce que, alors ils disent, hein, on m'écoute pas, de toute façon c'est pas moi qui décide, et on les croit pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple très très précis parce que c'est un exemple que je rencontre dans mon cabinet très très régulièrement. Les adolescents, il y a beaucoup d'adolescents, quand on leur demande de quoi tu as besoin, ils disent j'ai besoin de jouer sur internet avec mon ordinateur portable à des jeux en ligne. D'accord ? Alors, évidemment, l'adulte dit « Ah ben non, ça, c'est pas un besoin. » D'accord ? Sauf que derrière, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est un adolescent qui a remplacé sa vie sociale, une vie sociale qu'il n'a pas, parce qu'il vit en ville, avec des horaires scolaires extrêmement élargis, des profs supplémentaires, des parents qui travaillent beaucoup, des week-ends réduits, etc. Et que être sur son ordinateur à jouer en ligne, ce que ne se rendent pas compte les parents la plupart du temps, c'est être avec des copains. Parce qu'ils jouent tous en même temps, au même jeu, avec un casque et un micro. Et ils sont exactement en train de faire ce que vous, vous faisiez quand vous jouiez au Monopoly. Tous autour d'une table ou quand vous jouez, etc. Et donc, ils sont en train et ils disent, le problème, c'est que donc c'est pour comme ça, on creuse sur les besoins en leur disant, ok, je sais que si toi qui es ado, toi qui as 14, 15 ans, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi. Et donc, je te donne crédit de le savoir et on va travailler ensemble, au fait, moi c'est ce que je dis aux ados, on va travailler ensemble au fait que ce dont on a besoin quand on est ado, c'est d'avoir une vie sociale très importante qui prend beaucoup de temps. Alors moi, j'ai déterminé cette façon très arbitraire, mais je dis aux parents, 4 heures de vie sociale par jour minimum. Ça veut dire, soit vous faites en sorte qu'il soit pendant 4 heures avec des copains, soit vous alors un jour c'est avec des copains, un jour c'est sur l'ordi, un jour c'est à faire une activité à l'extérieur, une activité sportive, etc. Et on organise ça de façon à ce qu'on ne remplace pas le jeu vidéo par rien, ou par de la lecture dans sa chambre tout seul, ou par, une discussion avec les adultes, ce qui pouvait être très bien, ou des jeux avec des adultes, ce qui pouvait être très bien quand ils étaient enfants, mais qui n'est plus adapté quand ils sont adolescents. Peut-être, madame, que vous n'avez pas donné le meilleur exemple. Est-ce que tous les enfants veulent jouer sur le... Tous les enfants veulent être sur leur PC. Tous. Bah non, pas tous. Ah bon, pas tous. Bah non. Et ceux qui ne veulent pas. Bah regardez, j'ai un enfant, là, qui là, depuis tout à l'heure, on est là, il lit de la BD. Ça, c'est sa tablette. Comment on est arrivé à ça? Les enfants... Le cerveau, comme tous les enfants et les adultes, ils mangent ce qu'on leur donne à manger. Ils font ce avec quoi on les nourrit et dans ce avec quoi on les nourrit, ils choisissent le meilleur. Ils choisissent ce qui est le meilleur, ce qui leur fait le plus de bien. Donc, les enfants qui veulent tous aller sur le PC, c'est parce que il y a une très grande attractivité. Oui. Des jeux internet, etc. C'est extraordinaire. Mais d'ailleurs, en plus, comme ils apprennent par l'exemple, parce qu'il n'y a pas que les enfants, hein, les adultes, ils passent leur temps sur leur téléphone, hein, aussi, tout le temps. C'est pas les mêmes jeux, mais c'est pareil, c'est la même attractivité, parce qu'il y a une très grande attractivité. C'est un outil extrêmement puissant qui stimule la dopamine, qui stimule l'adrénaline, qui stimule des endorphines, etc. Donc, si on leur en donne... plus on leur en donne, alors il y a un phénomène addictif, mais pas tous. C'est à peu près 10 à 15% des enfants qui deviennent addicts au PC ou à autre chose. Les enfants, ils essayent tous, les adolescents par exemple, ils essayent tous de fumer une cigarette une fois, enfin tous.
de fumer les joints, de boire de l'alcool, de faire des trucs qui sont interdits, etc. Et on voit qu'il y a entre 10 et 15% des enfants qui vont s'y accrocher. Et ce qu'on repère, c'est que la plupart de ces enfants-là sont des enfants qui s'ennuient. Alors c'est beaucoup les enfants qui sont précoces et qui ont besoin de nourriture intellectuelle très importante et qui ne sont pas suffisamment nourris par l'école. Et pareil pour les histoires de liberté, c'est des enfants très matures qui vont être par exemple surcouvés et qu'on va, parce que par anxiété parentale, on va les empêcher de sortir, de voir des gens, etc. Et qui ont besoin de liberté et qui vont chercher à fuir avec des comportements addictifs. Le principe du comportement addictif, c'est la dopamine. Hein. C'est la production de dopamine dans le cerveau. C'est ce qui va produire l'addiction, la dépendance. Je cherchais le mot, la dépendance. Voilà. Donc, alors, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, il y a peut-être plein d'autres exemples, mais en tout cas, c'est un exemple très, très actuel. C'est-à-dire que la plupart des enfants qui ont coupé la communication, et les ados qui ont coupé la communication avec les adultes, c'est pas parce qu'ils sont... c'est pas forcément. Alors après, je dis pas ça n'est pas en général, mais c'est pas forcément parce qu'ils sont déprimés, inhibés, mal dans leur peau, etc. Ça peut être une décision qu'ils ont prise. Et par exemple, ces adolescents-là, on va les repérer dans la cour de l'école ou avec quelques amis, en train de rire, de s'exprimer, de parler, ou au téléphone, et puis quand il y a un adulte qui rentre, il n'y a plus rien. C'est une décision. Oui. C'est une décision. C'est, je sais, ça, c'est... et ce n'est pas une décision véritablement consciente, et elle n'est pas non plus punitive. Ce n'est pas pour vous punir ou pour punir les adultes, ou ce n'est pas par rejet. C'est un constat d'échec, c'est un constat de ça marche pas. Donc ça sert à rien que je dise ça, parce que chaque fois que j'ai essayé de le dire, eh ben, en retour, ce que j'obtiens est moins bon que ce que j'avais avant de parler. Ils auront besoin de faire quelque chose. Bon, je crois qu'on va s'arrêter. Oui, je vais faire les dédicaces pour les gens qui veulent les dédicaces. Oui. Avec...